Bonjour à tous, c'est Benjor, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour pouvoir rapidement et simplement ajouter un moyen de paiement sur votre compte eToro. Donc comment le faire rapidement et simplement. Donc suivez bien ce tuto jusqu'à la fin. Comme vous savez, eToro c'est une application mais aussi un site internet de trading en ligne. Comme dans toutes les applications et les sites internet de trading, vous pouvez ajouter un moyen de paiement, ce qui vous permettra de pouvoir déposer de l'argent sur votre compte pour le réinvestir. Vous aurez jusqu'à 2 000 € de dépôt si vous souhaitez. Bien évidemment, ça vous servira aussi pour pouvoir récupérer l'argent que vous avez gagné. Donc comment faire? Vous allez sur l'application eToro. Une fois qu'on y est, on va cliquer tout en haut à gauche sur les trois petits traits horizontaux, comme ceci, voilà. Une fois que c'est fait, c'est très simple. Vous pouvez voir qu'on a plusieurs informations qui apparaîtront. On va cliquer tout en bas sur paramètres. On va cliquer dans paramètres. On va cliquer tout en bas à droite dans paiement. Tout en bas à droite dans paiement, et là on va cliquer sur effectuer un dépôt, et vous allez pouvoir voir que on va pouvoir mettre en fait un dépôt. Donc vous mettez le dépôt que vous souhaitez, voilà. Le dépôt minimum, vous pouvez voir qu'il est de 172 €, donc ça vous êtes obligé de mettre 172 € sur votre compte eToro. Et une fois que c'est fait, en fait vous allez pouvoir choisir si c'est une carte de crédit ou autre. Ensuite vous allez mettre le numéro de carte, l'année, enfin la date d'expiration de votre carte, les cryptogrammes, c'est les trois chiffres derrière la carte, et ensuite votre nom, prénom sur la carte. Voilà, ensuite vous cliquerez sur dépôt et en fait vous aurez enregistré votre carte bleue et effectué aussi au passage un dépôt. Voilà, maintenant vous savez comment faire pour pouvoir rapidement et simplement effectuer un dépôt mais aussi ajouter un moyen de paiement. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, ça nous aidera beaucoup, à vous abonner à l'argent et surtout à bien partager cette vidéo à une personne qui désire savoir comment ajouter un moyen de paiement sur son compte eToro. C'était Benjor, à bientôt.